Christophe, ton parcours professionnel en une phrase. De ce métier de la forme, coach sportif en salle de sport, puis formation pilates, professionnel du pilates, et aujourd'hui, dirigeant d'un studio de pilates. Ta plus grande fierté professionnelle? Justement, avoir ouvert et créé mon studio de pilates avec ma femme. Trois mots pour te décrire. Professionnel, souriant, dynamique. Combien de fois t'entraînes-tu par semaine? Entre 4 et 6 fois. Quel type d'entraînement? Beaucoup d'entraînement cardio, beaucoup de course à pied. Je suis en train de préparer une Spartan Race, donc 3-4 séances de cardio, 2 séances de renforcement musculaire, poids du corps. Description d'une journée type? Lever 6h30, arriver au studio à 7h, coaching, course small group jusqu'à 13h, 13h30. Légère pause l'après-midi avec des rendez-vous one-to-one essentiellement sur la formation Yako Pilates. Et ensuite, coaching, puis souvent quelques cours pour terminer entre 20h30 et 21h. Ton plat préféré? Lasagne. Ton film préféré? Lord of War. Ta série préférée? Le Bureau des Légendes. Le dernier livre que tu as lu? C'est un livre sur le magnétisme. Ta saison de l'année préférée? C'est le printemps. Plat du montagne? Montagne. Team sucré ou salé? Salé. Un conseil pour les nouveaux coachs Yako? Soyez attentifs sur la formation. N'hésitez pas surtout à venir sur les week-ends formation, partagez aussi avec nous et avec les autres coachs du réseau. Vous faites partie d'un super réseau et je crois que l'échange, c'est la base de notre métier. La citation que tu préfères ou qui te booste? Je vais citer Hegel, que je n'ai quasiment pas lu, mais il dit « le vrai, c'est le tout » et je pense que tout est dit.